Alors retournons à Elysia. Maintenant que tous les bribes, on va dire, du passé sont découvertes, on va retourner là où tout a commencé, Elysia. Alors ouais, j'ai plus de gages, j'ai plus rien, c'est la misère. Alors on va... Menu Seigneur de la Terre. Je vais juste changer un truc. Faut baisser le son. Là, c'est fait. Alors, voyager vers un point de sauvegarde. Je vais voir tout de suite. Il retourne à Elysia, patrie des Séraphins. Je n'avais activé aucun TP. Attendez. Alors, Elysia se trouve là, donc on va aller aux ruines. Génial. J'espère que je vais pas devoir y aller à pied. Ce serait abusé quand même. Au pire des cas. Oh, c'est abusé. Bon. Au pire des cas, je vais pouvoir quand même aller certainement à pied. C'était quoi qu'on a fait en premier? Je crois que ça doit être. C'est une blague, je peux pas aller à pied. En fait, je dois aller à pied, on dirait. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille retourner voir Maeveen. Parce que je vois quand même qu'il y a une étoile sur la... Sur la tête, on va dire ça comme ça. Parce que là, je comprends pas pourquoi je ne peux pas me TP, en fait. À moins que c'est parce que je sois dans la ville. Je ne sais pas. Voir, tiens, Sia, non, ok, et perso, j'ai pas envie d'aller à pied. Alors, examinez un étrange pouvoir qui émane du monolithe. On va enregistrer la verte, peut-être. Je sais pas du tout ce que je fais. Tiens, ce serait pas prendre Pandrago, ça, des fois. J'ai un doute là-dessus. Ça, il me semblait que c'était le général. Thank you.
la vidéo est particulièrement longue et en plus de ça, on l'avait déjà fait. Je me rappelle maintenant que je vois un petit peu tous les morts autour du général, c'est comme ça qu'il va devenir Eldalf, évidemment. Je vous spoil pas vu qu'on l'a déjà vu. Voilà, le voilà. Bon bah voilà, on est reparti. Et là j'ai bien peur. Et je vais sauvegarder. Hein, c'est pas. On n'est pas à ça près, j'ai envie de dire. Par contre, il va falloir que je me rende à Elysia, mais c'est pas la porte à côté. Alors j'eus espéré. Pardon, ma voix elle part. J'eus espéré que je puisse le faire comme ça directement en me TPant. Ouais, allez, on va inventer un mot, TPant. C'est comme suppléant, mais tu veux te TP en fait. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. Alors, je vais donc m'en aller sur les. Enfin, dans les landes de Zapkot. Il sera infernal, hein. En plus, c'est même pas un TP à côté, c'est infernal ça. Bon, tant pis. On va faire avec. And that'll do it. Et on va courir droit sur le premier TP qu'on voit, donc c'est-à-dire à l'est de notre position, ici, quelque part. Bah, il va falloir descendre un petit peu. Oh, je vais me faire courser par un carré. On va. Ah non, c'était le feu qui fallait que je fasse. Oh mon dieu, pourquoi j'ai fait ça? Bon, bah voilà, là ils sont tous morceaux ici. Ah non, il y en a qu'un, c'est une blague que je vais faire dans la zone. Oh là, putain, mais. Voilà, bim, Artemis. Alors eux, quand t'es sur un boss, ils en lâchent pas une. Mais alors dès qu'ils sont des crash mobs, ils se lâchent. Incredible knife handling. Do you have anything? I'm not hiding anything. Je suis occupé de me dire est-ce que j'avais assez de sous pour TP. Non, ce serait quand même pas ça. C'est pas au niveau des finances que ça posait problème. J'espère de moi. Bon. 1500. On va me le faire là. Pas 1500 gal pour ce TP quand même, c'est. Ça devient aussi cher que le TGV Paris-Brest quoi. Ou bien Paris, c'est pareil. Paris-Marseille, prenez ça comme vous voulez. Ça vaut la peine de mettre des TP hors de prix. Alors j'espère que mon idée de prendre un autre TP hors de la ville a été concluante, parce que sinon je suis quitte à taper tout ce qui bouge. Oh. Bah non. Lol, c'est une blague, je peux pas me TP. Lol, je suis obligé de tout faire à pied, c'est une blague. Alors, where I am? Vous imaginez? Lord Green. Je vais me retaper le pont. Attendez, je vais voir. Le pont. Ouais. Lol, je suis obligé de me le taper, c'est une blague. Bon ben. Grand pont de Camelot, c'est parti mon ami. Bon. L'avantage, c'est que maintenant on va pouvoir faire un peu de promenade. Donc autant qu'avant on était en mode farmage, soulage, dégage. Si vous avez mis le en forestier. Maintenant on est en mode payage. Je suis quand même gentil que je ne change pas. Bien joué.
pas de crime en ne faisant pas, alors je vais pas me gérer. The ruins are calling me. Ça va juste être horrible. J'espère ne pas me faire aggro par l'éléphant, mais non, ça va. On va marcher, hein, les gars, je vous le dis. Alors, sortez vos œufs Pokémon, activez vos trucs, tout va bien, quoi. On va faire nos 30 km pour nos œufs. Ah, je suis pas dans le bon sens. Ah. Bon. J'aurais voulu au moins un petit épée, là, parce que là, je vais faire des œufs. Bon, j'ai arrêté de me plaindre, ça me fait sourire. Bon. Oh, putain. Wasn't worried for a moment. Rising, raising, demon, come forth! Everybody, ah, everybody, use arms to hit back. Ah, bon, 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 bon. Il faut retourner au début. Alors, j'ai quand même l'impression, si vous avez régulièrement joué à des jeux vidéo, quand même, on a souvent l'impression que, et le sentiment, on est bientôt à la fin, parce que c'est souvent comme ça dans les jeux vidéo, c'est quand ils te remettent au début, c'est qu'on est forcément bientôt à la fin. Logique de merde dans les jeux vidéo, ça je vous l'avoue. Ça a souvent été comme ça. Ou alors, le deuxième événement dans les jeux vidéo, c'est quand ils commencent à avoir beaucoup de... Comment dire, de blabla. D'un coup, le jeu, par exemple, n'a pas beaucoup de blabla ou n'a pas beaucoup de choses à faire, dans, par exemple, dans les événements. Et puis là, du jour au lendemain, on va dire ça comme ça, il faut retourner voir un tel, parler avec un tel, être sûr que tout va bien. Là, pareil, c'est le même principe, c'est qu'on est bientôt à la fin. Et c'est un petit peu comme si les éditeurs avaient voulu, malgré nous, et voulaient, en voulant nous duper, je vais dire ça comme ça, qu'ils nous auraient... je peux me TP maintenant. Ça, c'est intéressant. C'est comme s'ils avaient voulu nous gruger, en fait. En se disant, bah, de toute façon, tiens, what the... c'est comme s'ils avaient voulu nous gruger en se disant, voilà, de toute façon, on a pas beaucoup de temps de jeu, donc on va en rajouter malgré eux, et on va leur faire croire que c'est de l'histoire, et puis voilà. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que je l'ai ressenti, personnellement. Voilà. Mais, toujours est-il que là, oh, il y a un événement. Allez à Elysia. Bon, ok, c'est parti. On va pas fight, bien évidemment, on va éviter le maximum de combats parce que c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Oula, ça lui l'a fait, lâche-moi. Ah, génial, c'est pas de mon côté. Ah là, bon. Oh, lui, il va pas me lâcher. Il veut combattre lui. Ah ouais, voilà. Merde toi. Alors, tu as quelle faiblesse toi là? Ça te fait bien. Prépare-toi à bouffer du vieil. Voilà. On va quand même éviter de rallonger. Ça n'a aucun intérêt. C'est du transport. Ok, bon, malgré tout... Oh. L'œil... Voilà, j'allais dire, on va juste esquiver ce gros mollusque là, je sais pas comment vous aurez appelé ça, mais moi ce lion, voilà, j'ai pas envie non plus de me faire étamer, franchement. Alors, ouais, hein, on peut lire à Bernard Lévy quand même dans le principe. Alors, Seigneur de la Terre, ah, vous avez vu, hein, je suis toujours plein d'espoir de pouvoir me TP, hein. Mais non, c'est raté, encore. Éviter tous ces petits mobs insignifiants et intempestifs pour le moment. Là, on va changer de zone, on va
tourner. Je pense que c'était près qu'il tame le lac. Je pense. Did you hear? Ah, another war coming on. Voilà. Yeah, suite de l'aventure. Looks like both Rollins and Highland are ready to take the kid gloves off. It's gonna get ugly. Yeah, and I hear it's all going down at Glavin Basin. This is too good. Damn straight. Food and weapons, medicine and coffins. We're gonna make a fortune. Another war? This is bad. Mon Dieu, c'est if pas any more malevolence collects. Alors ouais. That's probably et exactly en plus, what bah, je sais pas, les humains là, ils avaient pas l'air très contents. Let's enfin, go take a look. Si, ils avaient l'air contents, c'est là le problème. En fait. All right. Ah. Hey. Qu'est-ce qu'il nous careful. Fait careful. You okay? Thank yous. But it's time to settle the scores. Oh, quoi des minous? The turtles. Ouais. He's going to Cat's Corner, huh? It's the illusionary village working. It might become a huge cat. So, I wonder. I've never heard of it before. Okay. I don't know much either. We're gonna have to do some research. D'accord. Let's start by asking. Good idea. Guardian Seraphim are more. Super. Une nouvelle quête. Des minous. Savoir l'emplacement des minous. Pour sauver les tortues. Hein? Peut-être autre chose à faire pour le moment. Ah! Ah, bah voilà! On va aller voir si à Elysia je peux me télé. C'est quand même dingue ça. Je suis là donc techniquement. Oh! Ils font. Ils sont embêtants. Voilà. On va pas dire le terme. Et jusqu'au bout, mais. C'est pas bien ce qu'ils font. Alors ici, il n'y avait pas des vendeurs. Non, non. Ok, bon, tant pis. Soit, on va pas s'attarder et s'éterniser ici. On a quand même pas mal de routes et on a au moins 2 œufs Pokémon à faire éclore entre-temps. Oh, le... Alors, allez au quartier général de l'armée de Rollins. C'est ouf. Là. Ce serait où ça? Ah, je suppose... Je suppose à Pandrago. Ce serait quand même... Pardon, excusez-moi. Ce serait quand même un petit peu... bizarre. Ouais, ça doit être là le siège. Je m'en fais pas pour eux. Pas du tout. Alors, on va éviter... C'est celui-ci hein, qu'on va mettre. On va essayer de passer le plus à gauche possible. Ouais, je sais. Même si je chute pour pas me faire aggro. Je vais quand même me faire aggro. C'est un scandale. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ta 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 ta. Là, j'ai déjà 2 chansons. Alors, ok. On essaie de me faire aggro aussi, mais non. Par contre, j'aurais peut-être dû me TP dans cette zone. Ah. Super, bien joué. Faiblesse de terre. Et on va se mettre en dos, évidemment. Oula, je ne sais pas ce qu'on fait ça, mais ça fait des dégâts. Quel level 33. Ah. C'est pas grave. Là, charge brutale. Allez, go. Voilà, allez, go. Je vais mourir, ça peut faire la main. Je t'en voudrais pas. Allez. Encore voilà, merci. 64 XP, tout ça pour ça. Bon, je vais sortir de cette zone ici, donc du pont de Camelot. Ce fameux grand pont que j'avais trouvé comme ça par hasard en me disant bah tiens là j'ai jamais été dans cette zone. Et heureusement, c'était le bon endroit. Alors. Pandrago. Ah, bah voilà. Donc. Est-ce que je peux aller à Pandrago? Bah voilà. Bon, je suppose, hein, parce qu'on me dit d'aller au quartier général de l'armée de Rollins. Pour moi, ça semble plus que logique que ça soit ici à Pandrago. Même la capitale du pays de Rollins ou de l'état de Rollins. Je m'en fais pas pour ça. Alors, qu'est-ce que tu veux me proposer, toi? Est-ce que t'as des trucs de bien? Eh bien non. Malheureusement, t'es en moins. À part peut-être pour
notre ami Zavid. Mais on va peut-être se réserver le droit de garder tout l'argent. Ouais, est-ce qu'on irait au diocèse ou de l'autre côté? On va aller par l'autre côté. Et on va aller voir, je pense que ça va être ici. Je suis quand même au diocèse, vous voyez, donc finalement... Je vais quand même me retrouver au mauvais endroit. Alors j'irai bien ici, à la Tour des Chevaliers. Ça me semble... Il me semble que ce soit le quartier général. What's that? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Quoi, quartier dernier? Et il est où ton point d'intérêt? Ouais, ok, j'ai pas découvert le point d'intérêt. Pourtant, ah, examiné. Voilà. Portrait de Eldalf. D'accord. Super. Alors, le quartier général de Roulettes. Ce serait pas Island alors. Non, Island, j'ai dit de la merde. C'est une zone, je ne sais plus laquelle. Ok, donc il semblerait que ce soit pas par ici. Donc, je me suis fourvoyé. Alors attendez, hein, qu'est-ce qu'on ferait? Aller au quartier général de l'armée. Quartier général. J'étais persuadé que c'était ici, vous voyez. Je vais devoir me résoudre à chercher du... Qui fait pas forcément mes affaires. Ou alors c'est au bassin de quelque chose. Souvenez-vous là, où justement tout avait commencé, les guerres et compagnie. Il y a peut-être des chances que... Que ce soit là-bas en fait. J'ai plus aucune idée de où et comment. Là il n'y a pas de TP, là il n'y a pas de TP, donc si je peux TP ici. Ok. Attendez, on va regarder. Glavend, c'était pas ça? Ouais, évidemment. Évidemment, on peut pas se TP donc. Je vais pas dire que ça a l'air d'être quand même par là, mais. D'accord. Je sais pas pourquoi il y a des TP qui sont désactivés, d'autres oui. Bon. Enfin, certains désactivés, d'autres non. Mais finalement, voilà. En fait, il suffit juste de prendre la zone d'avant, le TP à côté. Voilà. Et c'est pour ça que peut-être qu'à Pandrago, ça aurait dû peut-être m'alerter parce qu'au final. Je pouvais me TP en fait directement. Ouais, donc c'est bien là. Je pouvais me TP directement à Pandrago. Donc ça aurait dû me mettre à la puce à l'oreille sur le fait que bah, c'était pas là. Simplement. Alors, j'espère pouvoir sauvegarder juste derrière après. Ça, ce serait vraiment bien, ouais. Reporting casualties for the Blue Tempest Knights. 118 wounded, 30 dead. Ouais, ok. Report. Approximately 50 casualties on the enemy side. Is it over already? Don't kid yourself. It's no more than a skirmish along the front lines. If both armies were clashing full on, the body count wouldn't be anywhere near this low. This low? Where are the Platinum Knights? Sir, they're still struggling to evacuate Lastenbell. Can't they see there's no time? Saray, there's no point in just staying here. The Platinum Knights are in Lastenbell. Let's go see Sergei. Yeah. Allez, direction Lastenbell, on a bien compris. On va aller voir notre ami Sergei, qui lui tente peut-être désespérément. Ah, on peut plus passer, évidemment. Ok. C'est pas grave. On fera ça sans passer. Lastenbell. Bon, finalement, vous voyez, il nous a parlé d'Elysia au tout début, et là, ça part dans tous les sens.
Tiens, qui est-ce? Avec sa petite étoile. Ah bah c'est la suite. Oula. Boss! Telfrin, what happened? We were all captured in Pendrago. They said we murdered the Cardinal. At the behest of the Kingdom of Highland. What? But I was the one who... It was Lunar. He approached the Empire and suggested they frame it this way. Of course. The Empire was just itching for a justification to launch a war. Pourquoi et comment c'est arrivé, if they could tell the world that Highland had assassinated their Cardinal... Almost too perfect. Lunar laid an ambush for us. If Egil hadn't shielded me, I would have... I'm sorry. I couldn't do anything but run away. We knew this might happen sooner or later. Part of the job description. But still... Rose, you should go. But we have to stop the war! We all know what they'll do now that they've trumped up a justification. Dispose of the evidence. You can't leave them like that, can you? After all, they're your family. You said it yourself, didn't you? You and I have two very different jobs. Thank you. I'll be back. What about us? Should we be rescuing the scattered bones or stopping this war? Both are vital, but we can't be in two places at once. Sergei's in Lastenbell. Alicia's probably at the Highland Army base. Then... Lol, il va pas nous faire aller voir Alicia. If I remember correctly, wasn't there some kind of cave or something leading to Highland around here? Alors, si, allez au quartier général d'Highland, retrouvez Sergei, partez pour Pendrago et des roses. Ok. Sur le champ de bataille. Ce serait où ça? Lastenbell en est juste à côté. Ok, bon, ça c'est l'avantage. Right. The Lamorak Cave. Et les grottes de Lamorak. Ok. Va falloir que je fasse ça. Donc. Ok. Bon. Portail ouest. Hein. J'irai déjà voir Sergei à Lastenbell. Donc ça. Ça nous donne pas mal de choses à faire ici. Donc on va pas. Il y a les grottes de Lamorak aussi qu'il va falloir peut-être certainement emprunter. On va aller voir ça ici. Alors. Lies and prevarications. That's all you're good for. Yeah, why aren't you fighting back against Highland? Please calm down and listen to me. Ah, alors. Parle-moi. I'm sorry. I couldn't stop war from breaking out. There's time to prevent the worst. Yes. I'm trying to minimize the casualties. That's why I'm asking the citizens to evacuate the... Screw that! Did my dad and brother die because of those Highland bastards so you could run away? You useless, bleeding-heart pacifist! So we just hand Lastenbell over to Highland. Is that it? Never! You must understand the danger here. Highland is sweeping towards us with their entire army. Then we'll fight back with our entire army! The killing will never stop at that rate. A knight afraid of killing his enemies? You should be ashamed of yourself! Yeah, get out there and slaughter those Highland scum! It's our city and our property! We'll never surrender it! You coward! You don't even care! Your job should be to protect us! Let's step outside of town for a moment. On aurait dit qu'il y avait de la malveillance dans une des personnes qui parlait à Sergei. Bon, Sergei, je sais pas ce qu'il nous fait. Ok, je peux rien faire, donc je vais le suivre. Don't you run away, you craven good for nothing. On va faire ça, hein. Ok, je suis toujours en mode, je peux pas toucher la manette. Traitor! Regardez, quand j'appuie, ça fait ça. Yeah! Bon. Chicken Knight, have you no pride? On va suivre et se mettre à la vitesse de Sergei, tranquillement. Tout, 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 tout. Ça me fait penser qu'on n'est pas vraiment souvent rentré et souvent resté dans Lastenbell au final. C'est une ville qui m'est un peu inconnue. Je me souviens pas énormément en tout cas, ça c'est clair. J'ai pas dû m'attarder beaucoup. Alors, pourquoi il veut sortir de la ville? T'es sérieux, tu te serais TP, ça aurait été plus vite quand même. C'est une blague. Alors il faut que je sorte.
Super. Donc il faut que j'aille lui parler hors de la ville. C'est blague ou quoi? Eh ben non. C'est carrément ça. Bon. Ah, je vais voir la monolithe. Le monolithe, excusez-moi. Alors. Vous êtes cool. Ok. Magnifique. Alors, parlons. Peu me parlons bien. Ignorant townsfolk, they don't even know what you're going through. Nevertheless, I can understand where they're coming from. The clash with Highland has already cost us many lives. But still... The citizens' malevolence has suddenly intensified. It's like there's something else going on. Sergei, we'd like to help you with this. Ah! A Hellion! Sergei, watch out! Super, à nouveau. There's something wrong here, but... Men, take formation 3! We cannot pull back if the people of Rolands are threatened. Run, child! We should join them. Right! What? Qu'est-ce qui s'est passé là? I'll thank you to stop interfering. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Not after all my work setting this up. D'accord, Simone. So you were behind this. Je pense qu'on va devoir se la taper, la petite Simone. Enfin, la taper en tout cas. Se la taper, j'en sais rien. Mais la taper, ça serait sûr. Ah, ok, sauvegarder. Je vais quand même sauvegarder avant. On ne sait jamais si j'ai un combat épique et que je ne suis pas prêt, du moins pas autant que je le désirerais. On va quand même éviter ce genre de désagrément. Alors, pour chasser Simone et arrêter là. Hurry! We need to break her domain! Yeah, otherwise Sergei's in big trouble! Allez. Bon, elle était sérieux, elle va me faire le téléport. Allez. Oh. Je veux pas de trash mob. C'est elle qui m'intéresse. Darn it! Did we lose her? Wait, there's someone over there! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sergei and the Knights? Yes, we were able to drive off the attackers. Zavid! Huh? Whoops. Don't respond to the Seraphim, stupid. To fool even the wind. Impressive illusions. Good thing her acting sucks. I'm just too much of a Whoa. People person. What are you up to, disguised as Sergei? The question is, what am I not up to? But I know what he's up to right now, and that's getting torn to pieces by Hellions! Alors, c'est quoi? Sergei, inconnu, évidemment. Hop! On va faire ça. Voilà. Comment on peut faire ça? Don't hold back! Voilà, c'est vraiment trop. Le spam touche. Vraiment pas. Stop, hein. On va pas se mentir, niveau 40. C'est quand même... Les deux. Alors, un petit combat, vous avez une photo, et ce qui est marrant, c'est que l'enfant ne va pas rajouter de l'huile, pas de coco ou quoi que ce soit. Lol, des jaunes de pommes. Allez, hop. Voilà. Là. C'est une blague. Bon, on va. Arrêtez de faire diverses et on va taper vraiment ce qu'il faut. Il y a son niveau que j'ai pris la seule. Ah oui. Donc à la pierre évidemment. Enlever ça. Alors, faiblesse au feu. Ok. Donc, on va faire ça. On va d'abord taper les trash mobs. Oh, ça fait nettement moins de dégâts. Bon, ok, il n'a pas de résistance. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Vous avez vu? Ah, là c'est mieux. Il avait mal placé le sprite. Ou alors c'était pendant la téléportation. Bon, il est massacré et on va pas en espérant qu'il n'y avait pas d'autres. Mort vivant dans le même
contexte, pas dans le même contexte. Donc je vais pas faire ça avec tuer les... Alors, un PV, il y a plus que 6 la réincarnation va devenir la transformation de Sergueï en Simone. Ah, j'allais dire qu'il n'est pas fait un quand même. Ah, Artemis, c'est parti. Salut, tu vois. Il y a 2000, 4000, ok, putain, c'est bien là. C'est tout, il n'y a plus que le sorcier. Bah, tout bon. Pas plus peur, mais je vais pas te donner de faux espoirs. Allez, hop. Oh, ça fait mal. Vraiment. Alors, vas-y. Meurs, communiste. Voilà. Well, that was actually pretty decent. 237 XP, 756 de gold. Why not? Alors. You show no mercy at all, do you? Non, aucune pitié pour toi. Why would we? You're not Sergueï. But of course, you and Chivalry Timbers, two peas in a pod. Friend equals save, enemy equals kill, no malevolence equals protect, Hellion equals exterminate. Ça, ouais, ça fonctionne un peu comme ça, c'est vrai. What a simple and beautiful world you live in. How utterly convenient. Huh? Tu peux nous faire une leçon de vie, là-bas, what are you getting mademoiselle? At? I'm saying that all it comes down to is your ego. An ego that is the foundation of malevolence. That's not true! Yes, I fan the flames, I won't deny it. But it's perfectly natural for the people to be filled with rage and hatred. But you call it malevolence and you try to stamp it out. The mission of the Shepherd, the code of knighthood. Whatever name you devise, the excuse remains the same. Tell me, Shepherd, what definitive proof do you have that you yourself are not corrupted by malevolence? Hmm? Nonsense! Sarai is not corrupted. Of course not. As pure and righteous as your previous shep- I'm not doing this for the sake of some mission or person. I'm doing it because I believe in it. That's all. And Sergueï is the same way. A lame stab at justification. Wrong. I've always been like this. And he always will be. With the support of your friends, huh? So that's what sustains you. Sarai. Let's go back. Sergueï will be all right. Ok, bon. On peut voir qu'on a une plante là-bas, donc on va quand même aller la chercher, une sauge. Donc on doit retrouver Sergueï, ouais, ça ira. Donc ce sera un des trois points. Sera déjà élucidé, on va dire. Un des trois problèmes qui sera résolu. En espérant que c'est par là où elle semblerait. Ouais. Ça va, je suis dans la bonne direction. Jour délicat avec moi. Oh là, les plantes m'attaquent. Sarai, over there. Sarai là-bas. Ok, parfait. Looks like their battle is over. Sergueï. Qu'est-ce qui se passe? I'm fine. However. Captain Sergueï, we heard what happened. Thank you for rescuing this child. I just wanted to avenge my father and my brother. I know how you feel. But if you act on every impulse, you're no different from the beasts of the forest. I didn't care about any of that. I thought if I could kill even one Highlander, I could die happy. You should know better than that. We're all human. There's no reason we can't find a better path to follow. Can we search for that better path together, so that no more have to die? Very well, we'll hear you out. That's all I can promise. I am honored. The truth is, I too yearn to fight like a beast. Everything I say is a lie. I must be entirely corrupted by malevolence. Not at all, Sergueï.
I wonder what Rose is up to. I hope she isn't doing anything unwise. Alors, il nous reste deux choses. Donc Pendragon pour aider Rose et quartier général d'Island sur le champ de bataille. Donc je suppose... It'd be unwise to hope for that at all. Que le quartier général d'Island se trouve à Glavend. Ouais, évidemment. Attendez. Ouais, c'est bien ça. Donc on va aller là. Et on va aller l'entrée sud de Marlind. Et on sait pas. On verra. On va déjà stepper là. On va essayer de gagner du temps de. Do you think Alicia would be at the Highland Army base? Ouais, bassin de Glaivend. This whole thing is her worst nightmare come true. It's gotta be awful for her. Yeah, she's painfully sincere, like someone else we all know. On a un petit attaque ici. Alors, est-ce que je let's head on over to the high. Je pense. C'est pas mal. Ok. Island camp. Non, je l'avais toujours pas trouvé. Voilà. Super, merci. Esprit, ça. C'est mieux quand même. Là, ici, voilà, on y est, nous y sommes. Prepare for the assault. Qu'est-ce qui Once se passe we receive the royal order, ah, our entire forces will destroy the Roland's army. La méchante. Ok, et après? Ah, il se passe rien. Comment? My, Shepherd Saray. Welcome to our base. Tu es là, toi. Perfect. We're moments from receiving the royal order authorizing our assault. And the messenger will be an old friend of yours. You can't mean... You're making Alicia do that? It's cruel of Bartlow, but still an ingenious plan. If she brings the order, the war is on. And should she refuse, he can have her court-martialed for treason. I can only imagine her dismay. You disgust me. Will you attack me? Please, be my guest. Then I could reasonably claim that spies from Roland's were in our camp. No need to wait for a royal order. Looks like the odds are stacked against us. We're going to need Alicia's help to hold back the army. Alicia, is it? Go ahead and try then. I'm very curious. Alors, retrouver Alicia. Alicia, elle est où? Attendez, il faut qu'on parle à... Ah ouais, généralement c'est Rose qui me suit. Ah, je vais reparler à... Ah ouais, non, elle ne veut pas me reparler. Et où? Là, c'est le problème de ne pas suivre. Bravo, bien joué. Alors, on va sauvegarder. Non, peut-être pas. On va chercher d'abord. Retrouver Alicia. Mais elle pourrait être Alicia. Si je me TP vers Pendrago. Évidemment. Vers la voie non, près du triomphe non. Crête non. Terrain non. Super. J'adore. Où est-ce que je pourrais aller? Bah écoutez, on va déjà retourner vers les coteaux de Falkerine. C'est pas ça? Si je crois. Alicia wasn't at the army base. Alors, allons voir à Damelac. Voilà, c'est bien ça. Donc Damelac. We'll have no choice but to tell her that Maltran is a Hellion. She'd be hurt for sure. Il va falloir faire tout ça. Bon, I'm aware, on va espérer no other en tout cas ne pas aggroter le plus de mobs, enfin, autant de mobs qu'il y a. On va essayer d'éviter le maximum de mobs, voilà ce que je voulais dire. Ah, examiner. C'était tout juste. Ça, c'était une trash mob au dernier moment. Ouais. Examiner, ouais. On va faire ça et on va... Non, on va pas. On va passer le pont ici qu'on avait, souvenez-vous, au tout début construit, réparé en tout cas. Là. Hop, on va sauvegarder. Et on va se retrouver
à Damelac. Bah, on va en direction de Damelac. Hop, voilà. J'espère du moins. Bon. Mais, vous l'avez bien compris, il va se passer quand même un gros dénouement au niveau de l'histoire, parce que maintenant, notre petit Alicia saura que Maltran, est un Eldon. On ne sait pas trop comment elle va le prendre, parce que souvenez-vous, c'était son guide spirituel, personne comme ça aussi. C'est celle qui lui a tout appris et qui l'a formé. Donc, on ne sait pas comment notre petit Alicia va prendre tout cela. Alors, Damelac Centre-Ville, ok. Alors, on va se faire tout ça à pied. Bon. Pas terrible. Alors, 15 galles, super, merci, Doran Cook. Alors, on y est, donc on peut voir ici la ville de Damelac qui me fait penser un petit peu au Mont Saint-Michel. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on va sauvegarder. Bien évidemment.